Assez du monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci un nouvel épisode de Devenez Légende consacré aujourd'hui au Bunny qui est un lance-roquette fabriqué par Teddy Or. Comme toutes les armes Teddy Or, il dispose d'un rechargement à explosion, c'est-à-dire que quand on décide de recharger, on jette l'arme et celle-ci explose. Et la particularité de ce lance-roquette, c'est qu'il rebondit sur le sol tel un lapin lorsque l'on le recharge, et il y a également deux explosions il me semble. C'est d'ailleurs pourquoi je me tue souvent avec ce lance-roquette. Pour trouver cette arme qui est lootable par les ennemis, charnue, il faudra tout simplement vous rendre à Hallowed Hollow, qui est une zone que l'on développe au cours d'un Headhunter Pack. À Hallowed Hollow, vous spawnerez juste ici dans le petit cercle jaune, et il y aura plusieurs endroits où vous pourrez avoir des charnues. Vous aurez un petit chemin à parcourir, et ici il pourrait y avoir des charnues, juste ici également. Ensuite ici, il y a la possibilité qu'il y ait un coffre à auto de drop, ici encore des charnues, et ici c'est le dernier coffre de la zone, qui est une zone que l'on farme en 2 minutes top chrono, et qui est vraiment très bien parce qu'on a à peu près des charnues tous les 3 essais. C'est vraiment la meilleure zone pour avoir les charnues selon moi. Donc là vous pouvez voir que j'ai réussi à j'ai eu un double drop, j'ai eu un drop d'un bunny et également le drop d'une petite arme perlée qui est le sobar, qui n'est pas une des armes perlées que j'aurais aimé avoir étant donné que je recherche les deux armes perlées que je n'ai jamais lootées, c'est à dire le BK et le carnage, parce que j'aimerais tout simplement vous faire quand même des devenir une légende dessus. Mais bon, en attendant de les looter, j'ai réussi à looter ce bunny, du coup je vous fais une petite vidéo dessus. Donc vous avez pu constater que j'ai changé pas mal d'anciennes miniatures par rapport aux armes légendaires avec les nouvelles, puisque celle-ci vous a plu. Du coup je tenais également à vous remercier de vos commentaires positifs par rapport à cette miniature. Mais également, je suis en train de préparer une très grosse vidéo qui, j'espère, va vous plaire. Elle sortira dans quelques mois parce que c'est vraiment un assez gros projet. Honnêtement, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, je l'espère. C'est vraiment un très gros projet et j'espère tout simplement que vous allez aimer, quoi. Donc, pour ma part, donc là, je suis en train de tester le bunny. Vous pouvez constater que pour ma part, je n'apprécie pas trop cette arme. Je trouve qu'elle est pas super, surtout que le rechargement nous tue pas mal de fois, ça c'est assez dommage. Mais bon, c'est un défaut du lance-roquette, quoi, faut l'accepter, c'est comme ça. Hein. Donc, je tenais également à vous remercier par rapport à une petite chose, c'est que, tout simplement, déjà, il y a une effervescence d'abonnement. Tout simplement, depuis que j'ai repris la vidéo, il y a une semaine, j'ai gagné déjà de nouveau 100 abonnés. Du coup, je tenais vraiment à vous remercier de par le fait qu'il y a de nouveau une grande activité, on va dire. On peut constater d'ailleurs qu'il y a plein de petits lance-roquettes qui sont tirés quand le premier gros lance-roquette explose lors du rechargement. Donc voilà, je voulais juste vous remercier par rapport aux abonnements, également par rapport aux quantités de likes que vous mettez. Par exemple, pour la vidéo retour, j'ai eu, je crois, presque 180, 170 likes, quelque chose comme ça. Du coup, je tenais vraiment à tous vous remercier, à tous vous dédicacer, tous autant que vous êtes, que ce soit les anciens, les nouveaux, ceux que j'ai beaucoup vus et ceux que j'ai pas beaucoup vus, puisque vous êtes tout simplement énormes. Et puis moi, je vous jalore tous, hein, tous autant que vous êtes. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour cette nouvelle activité sur ma chaîne. Prochaine vidéo, ce sera encore un épisode de Devenez Légende sur un mode de grenade cette fois-ci. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager si celle-ci vous a plu et aidé. Ça m'aiderait beaucoup à développer ma communauté. Je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette arme? L'utilisez-vous? Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et quant à moi, je vous dis bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!